La mayonnaise, par contre, je suis à l'envers, du coup, j'arrive pas trop à lire. Attends, je m'absente 2 secondes, je reviens. Sauce de chaud. Sauce de Ah, la mayo là-bas. Ouais. Ah, c'est de la moutarde, originale. Bonjour, c'est Ossior de la Fédération du Transport et j'écris dans mon journal de bord notre départ pour la ceinture de Yela où nous avons découvert une carcasse et on va bien la désosser celle-là. Un temps de transport estimé 3 jours pour arriver sur zone. Ouais, j'espère pas trop de grabuches, c'est pas une zone vraiment vraiment sûre la ceinture de Yela, mais bon, elle est entourée d'astéroïdes. C'est pas trop une zone où on va faire du combat, donc je pense qu'il y aura peu de chances de se faire attaquer. Donc on tente le coup avec mes gars. De toute façon, la Fédération, elle est autour de nous et elle nous protégera en cas de besoin. Fin du journal de bord, jour 1, année 2948. Tout ça pour dire que là, c'est une zone de vie, que dans Star Citizen, on aura le temps de faire plein de choses dans nos vaisseaux, d'où l'intérêt du multi. Puisque comme vous pouvez le voir là, c'est une scène de vie que vous pourrez sûrement faire à l'intérieur de chaque vaisseau, comme les réparations, l'entretien, les vérifications et les préparations, la gestion des zones où vous allez aller, donc les zones ou d'économique, donc de transport, ou les zones de minage, donc de farm. Et tout ça, ça demande du temps de préparation. Donc profitez de ce temps que vont prendre les transports entre chaque point. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une scène où on papote entre nous. Et bien sûr, il y a et des personnages joueurs, et aussi des personnages non-joueurs dans vos vaisseaux. Il va aussi avoir des zones de jeu. Il y aura aussi ce qu'on appelle dans certains vaisseaux de capitaux, des zones de basket, des zones de jeux vidéo. Vous pourrez vous entraîner sur Arena Commodore ou Star Marine. Parce que l'entraînement, c'est important, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est ce que nous faisons aussi à la Fédération du Transport et de l'Industrie, la FTI, pour nous entretenir le temps que le jeu se développe. On commence à entretenir la coordination des gens et on fait ça avec d'autres organisations et on est ravi de le faire parce qu'il y en a qui s'entraînent énormément malgré tout le peu d'avancée du jeu et je trouve ça vachement important d'avoir une vraie coordination entre chacun parce que croyez-moi, être en équipe c'est souvent très très compliqué. Une bouteille d'alcool, c'est du thé varine. Merci c'est Bruce pour cette info, on va en tenir compte. Et il y aura une grosse phase de gestion dans ce jeu où vous devrez préparer effectivement des documents à remplir, surtout dans les organisations, pour faire des comptes rendus ou des rapports aux supérieurs sur l'avancée d'une mission ou d'un minage ou du transport, en fonction de ce que vous allez faire comme gameplay. Donc oui, Star Citizen, ça sera un jeu où vous aurez du temps dans chaque vaisseau. Donc vous aurez le temps de découvrir les vaisseaux, d'apprendre à les entretenir, à les réparer, et surtout à bien vivre ensemble. Donc vous deux là, faut que vous repartiez avec Fire là qui est à l'extérieur et il faut que vous alliez à Démar. Okay. Donc okay. C'est Bruce et Andy. Ouais. Comme vous le faites sûrement aujourd'hui dans une entreprise ou quand vous partez en car. Pour aller d'un point A à un point B, bah, il y a un temps de transport, donc ça sera la même chose. Vous aurez la même chose sur Star Citizen, ça sera pas que du boum boum et je tire sur tout ce qui passe. Il y aura sûrement des zones de guerre, là ça sera intense, mais court. Alors que les zones de transport, quand vous faites un quantum de plusieurs secondes, plusieurs minutes, ou plus que des minutes, peut-être des heures, sur certains points, croyez-moi que vous aurez du temps à parler, à papoter avec vos camarades. D'où peut-être l'utilité de faire 2 équipes dans un vaisseau. Une équipe qui peut travailler le jour et une équipe qui peut travailler la nuit. Ce qui peut être pratique parce que comme vous serez en logout dans les lits, vous pourrez repopper dans le vaisseau et reprendre l'activité des autres là où ils se trouvaient. Donc évidemment, quand vous prenez un vaisseau multi, pensez bien à cette possibilité de faire une équipe de nuit et une équipe de jour. Ça peut être très utile, plutôt que d'avoir un vaisseau qui traîne dans l'espace et qui fait rien. C'était le conseil de Sieur. Sur ce, j'espère que cette vidéo courte vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Je confirme ma position, ceinture de Yela, au proche de l'OM2.
arrive pour assistance. Standby.